Nous partons à l'intérieur du pays, plus précisément à Kessédougou, où le corps sans vie d'un homme âgé d'une trentaine d'années a été découvert ce mercredi dans la commune urbaine. Le défunt a été retrouvé à l'école primaire J. Foster dans le quartier Limania. Pour l'instant, les circonstances de sa mort ne sont pas connues. Mamadou Linga Kondé et Aboumi Limono, reportage. C'est au sein de cet établissement scolaire public où le corps sans vie de cet homme dont l'identité reste méconnue a été découvert au quartier Limania aux environs de 8 heures. Informé par un de ses enseignants, la directrice de dit établissement revient sur l'état dans lequel elle a trouvé le corps. J'étais en train de venir de la maison pour l'école. Le premier enseignant arrivé dans la cour, nommé M. Roger Collier, il m'a dit qu'il a trouvé un corps. Dans la cour. Il dit, il s'agit de quel genre? Il me dit que c'est un homme. Il dit, attendez-moi, j'arrive. Arrivé sur les lieux, effectivement, j'ai trouvé le corps couché devant la salle du CM1, penché, assis, adossé au mur. C'est ainsi que moi aussi, j'ai fait appel à mes autorités. Le chef du quartier de Limania déclare n'avoir pas reconnu le défunt comme citoyen de son quartier. C'est un citoyen qui n'est pas de mon quartier. Malgré la présence de plusieurs citoyens et citoyennes autour du corps, mais certainement on n'a pas pu détester alors le corps. Après la découverte de ce corps, le procureur, après le tribunal de première instance de Kessédougou, a pris quelques dispositions. C'est un adulte d'une trentaine d'années voilà, qu'on a trouvé sur place. Il ne comportait aucune blessure apparente. Les officiers de police judiciaire ont fait leur investigation. Les médecins sont venus examiner le corps. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est quelqu'un qui n'est pas connu dans le quartier Limania. Il ne porte aucune pièce d'identité. Alors j'ai demandé aux médecins de l'hôpital préfectoral de Kessédougou à ce que le corps soit déposé à ce niveau pour des examens plus approfondis. Donc nous attendons les conclusions des médecins. À en croire au procureur près le tribunal de première instance de Kessédougou, les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature de ces cas de mort.